Voilà. Merde. Ça, c'est notre QG. Quelle horreur. Enfin, c'était notre QG. C'est la feuille, c'est ça. Qui d'autre? Puisqu'on veut dominer le monde. Quoi? Non, c'est une métaphore. Il dit ça parce que c'est ce que dit toujours la feuille quand elle parle de nous. Dis, tu crois que Sarah y est passée? Sarah! Encore tapé. Et là, je les ai découpés. Il y en avait partout. Non, mais au final, ils étaient combien? 4, 5, peut-être 6. Mais ça ne dit pas si Pierre était parmi eux. Bah, c'est simple. Est-ce que tu te souviens avoir découpé un connard qui ressemblait à une merde posé sur une autre merde? Sérieusement? Bon, ok, bon, c'est plus sérieusement un gars à peu près la vingtaine, les yeux verts, cheveux bruns, non? Non, personne comme ça. Et les pilules, tu y as pensé? Non, ils en avaient pas. J'ai pas vu. Franchement, j'ai jamais compris le principe de ces pilules contre nous-mêmes. On peut se faire confiance, non? Et c'est le traître qui dit ça. Attends, pas le traître. Moi, j'avais perdu la mémoire. C'est pas pareil. Justement. Quand tu électrises un gars pour peut-être lui donner des super-pouvoirs, tu n'as pas peut-être peur qu'il se retourne contre toi? Agressivité, jugement, tout ça peut être modifié. Comme... Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que quelque chose n'allait pas, en fait. À un moment donné, Eric, il a fait un geste vers Sophie et a manqué de la tuer, quoi. D'un coup, d'un seul. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, on fait rien. On va pas rester là sans rien faire. Pourquoi vous appelez pas la police? Oui, bien sûr. Allô? Ouais, il y a des méchants, ils ont tué nos amis. Et on n'est pas tout blanc non plus. Comment ça? Bah, déjà il y a les casques, ça fait des morts et pas qu'un peu. Et c'est pas pareil? Oui, nous on sait. Après, il n'y a pas que les casques qui tuent. Bah, quand on attaque la feuille, il y a forcément des... Tuer des gens? Imagine sous un autre angle. Imagine que cette technologie tombe dans de mauvaises mains. Mais vraiment, hein, dans les mains d'un enfoiré de première qui ne pense qu'à sa gueule. Quoi? J'étais aux toilettes? Ouais. Bah la feuille, c'est ça. Tu as vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et encore, ça a été que nous. Ça aurait pu à toucher des innocents. Tu peux comprendre qu'il faut qu'on soit musclé, il faut qu'on mette le poing sur la table. Musclé? Dans tous les cas, il faut y aller pour avoir un casque. Tu veux ton pouvoir? Oui. Oui, ou sinon tu vas chez eux et tu leur demandes à eux de te débloquer. T'es pas lié à nous de toute façon. Après ce qu'ils ont fait, c'est pas une option. La vie c'est sacré, ça se respecte. Bon, il va falloir un plan pour y aller. Je vais demander à Sarah pour avoir des imp... Désolé. Je vais penser au plan moi-même. Olivier, chez la feuille, ils connaissent que moi et Stéphane. Ils te connaissent peut-être pas, donc ça te dirait d'y aller et d'aller te faire recruter? Tu serais un agent double? Ouais, sans façon. Attends, t'es en train de me dire qu'ils me connaissent peut-être pas? Je vais juste peut-être me faire tuer. Bah normalement, ils te connaissent pas, hein. Pire, tu n'as plus trop l'air d'apprécier la vie, hein. Mais ça va pas, toi. Mais t'es complètement con. Relax, ils te connaissent pas. Pierre, je te rappelle qu'en mettant ces casques, on voit des choses. Et... Ben, ils peuvent très bien le connaître, Olivier, sans jamais l'avoir vu. T'as raison, laisse tomber. J'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est ce que je dis, t'es juste complètement con. Je trouve que tu devrais pas parler comme ça à ton ami. Quoi? Le mec, il me demande d'aller peut-être me suicider. Bon, écoutez, je crois qu'on est tous fatigués par rapport aux événements d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait avoir les idées claires. Je veux dire, on a une journée dure, il faut que tout le monde rentre chez soi et qu'on se repose. Je vote pour. C'est quoi le code déjà? 4242. Pierre, je peux te parler? Ouais. Pierre, avec Olivier, vous devriez parler, je pense. T'inquiète pas, y a pas de souci. Je vais rester, je voudrais parler à Stéphane. Ok, à demain. Ça a l'air d'être dur pour Pierre.
Tu crois qu'il va tenir le coup ? Il se remettra. Et toi aussi ? C'est horrible ce qui vous arrive. Tu sais, on s'y fait. Mais comment tu peux dire ça ? Il y a des gens qui sont morts, c'était tes amis ? Ouais, mais amis, collègues, appelle-les comme tu veux. Comme t'as dit, ils sont morts, alors ça changera pas grand-chose. T'as pas de la peine pour eux ? Bien sûr que si, mais je m'en détache. Comment tu fais ? Tu sais, quand tu bosses là-bas, des morts t'en voient très souvent, donc... Tu apprends à t'habituer. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un sonne. Bouge pas, je vais aller voir qui c'est. Gamin ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Descends, je vais te parler. Dégage ! Attends, regarde ! J'ai tes bonbons préférés ? Je devrais te tuer, tu le sais, ça. Relax, je ne suis pas venu pour me battre. Tiens, j'ai tes pilules. Une semaine de plus avec de l'héroïne de substitution et je crois que je pétais un câble. Oui, je sais. C'est étudié pour ce genre de truc. Bon, on peut discuter maintenant. Dis toujours. Je veux la tête de Pierre. T'es sérieux là ? Très sérieux. Attends, tu crois vraiment que je vais vendre Pierre pour pas manteau ce qui se court après, toi ? Non, je savais bien. Mais disons qu'on aurait pu trouver un autre arrangement, quelque chose qui t'intéresse un peu plus. Tu t'es trompé de porte. Et si on parlait de Rebecca ? Pousse pas ta chance, Lucidly. Ah bah tu vois, tu veux qu'elle revienne ? Les morts, ça revient pas. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait la rejoindre, s'il fait pas attention. Je prends ça pour un non. C'était une pub pour des calendriers. Stéphane ? Hmm ? Je me demandais, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu as intégré le puits ? C'est une longue histoire. Tu veux pas que je te la raconte demain parce que là, je suis fatigué. Ça va, je te laisse. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Et là, il me dit, monsieur, votre lama peut pas rester ici, il va devoir partir. Et là, je lui dis, c'est mon lama, monsieur, c'est ma grand-mère. Il a cru que c'était un lama à cause de son manteau de fourrure. Eh, bonhomme, tu veux voir un truc de malade ? Ouais, vas-y. Regarde attentivement. Il se passe rien. Exactement. Qui aurait cru qu'il était possible dans toute l'histoire de l'univers des pouvoirs possibles de... je peux pas. Je me fais dominer par une bouteille. Et tu veux que je t'appelle un taxi pour pouvoir rentrer chez toi ? Non. Tu comprends pas. J'essaie de te dire que je fais partie d'une organisation ultra secrète qui veut pas dominer le monde. Ok, ça marche. Je vais retrouver mes amis. Envoie-toi. Les amis, c'est fait pour ça. Eh bonhomme, tu veux voir un truc de malade ?